Oh, ça marche bien, ça marche bien, ça marche bien. Et 73-51, les stations de Dundee 33. Alors s'ils sont en train de rouler l'un derrière l'autre, ça va être compliqué pour qu'ils m'entendent. Alors 13h40, 35, ouais 13h35-40. Alors tout à l'heure, il y a eu Mario, là, il n'y a pas longtemps, du Portugal qui est passé, là, c'est le 19. Allez, 73-51 à vous, les stations, de la part de Dundee 33, bonne route. Département 59. Ok, les 73-51 retournés de Dundee comme Crocodile Dundee. Pareil, hachi trois coups. Sauf qu'à la place de Croco, tu mets 33. Voilà, ou si tu préfères, 14 km, 33-01, Rémi. Voilà, du côté de Saint-Émilion, le département de la Gironde. Ah ben, il y a eu un sursaut au niveau propag. Tout là-haut. Bon, on dirait le département 59 là que ça passe plus de mon côté. Il marche bien le 3009, il marche bien. Hop là, pardon, 9009. Ah ben ça passe plus de mon côté, ça y est, c'est tombé. Fouiller un petit peu. Ah. Quelque chose là, mais
Non, pas ici. Eh, hey, passez pas en USB sur le 19, ça va foutre de la merde partout. Voilà, pour le moment, la popague est petite. Mais elle est là. Putain, des fois on cherche bien midi à 14h, ça décolle, gros. Oh, ça passe mal. Oh, mais ça, c'est les stations locales qui sont un peu plus au nord de chez moi. Et du coup, avec cette fameuse colline, la colline là, qui fait le tour de chez moi, qui sort vers Saint-Émilion, et eh bien ça fait barrage. Voilà ce que ça donne au niveau local quand il y a une colline comme ça qui entre. C'est moyen.
Oh, elle est où la logique là-dedans? Ils se mettent tous ici. Pour ensuite se plaindre que c'est de la cacophonie, et ceci et cela, et plus tous les noms d'oiseaux qui suivent. Il y a plein d'autres fréquences où on peut lancer appel. Il suffit de se mettre où on veut, n'importe où. Regardez du côté des radioamateurs, eh ben tiens. Bon, je pense que là il doit être en QSO. Et bon, bref. Il y a des chances que voilà, il s'est mis là, tac, il a lancé ses appels. Il y en a un qui est passé par là, qui l'a entendu, qui lui répond, et puis voilà. Pourquoi on ne ferait pas pareil sur la CB? Du moins pour le DX. Tac, en plus en français, voilà. Il s'est mis là, tac, ok. Il lance son appel, il va lancer plus. Il y a des enregistrements, mais c'est faible. Bon, d'accord, je suis pas tombé sur le meilleur exemple qui soit. On n'entend pas plus de monde que ça. Il faut dire aussi que là, on est en pleine période de vacances. Hein. Donc, hein, ça y est pour beaucoup aussi. Hein. Bon, j'ai pas pu vous montrer ce que je voulais. Vamos fazer o mesmo.
Ce que je vois, c'est que le 19 est de plus en plus actif. C'est bon ça. Pourtant, oh, pourtant on est en été. On pourrait dire que c'est là où justement il y aurait le moins de monde vu que les gens sur la plage ou à la montagne. Alors je dis ça parce que là, c'est le, alors le 305, canal 30, ok, le 30 FM, il y a tout le sud-ouest, les Landes, tout ça là, qui sont là, 1 FM. Alors depuis le QIRA, là où je suis exactement, c'est très compliqué pour les avoir. Zut, bon. Je sais pas ce qu'il a comme micro, mais il est bon. Ah, moi, c'est une fille de Lens. Lens, dans le département 72, 14 Roméo-Charlie, 159, David, Lens. Break. Salut Henri, et bon courage pour la récolte d'hier, et à bientôt sur la QRG. Oui, 73 à vous, de la part de 14, Kilo Mike, 33-01, Rémi, sur le sud-ouest France, le département de la Gironde, à côté de Saint-Émilion. Toulouse qui nous passe carrément au-dessus. Comme quoi c'est curieux hein, quand même les ondes. Que en vacances
vacances, une grande de vacances hier soir, hein, et fournaise. Hein. Voilà, on est en cours. Bon, c'est pas grave. Allez voir plus loin. 595. Oui, en tout cas, je n'avais jamais vu que c'est vraiment une belle région. 595, ok. S'y attendre. Et 73-51 la Picardie de Dundee 33, le département de la Gironde. Ouais, il y a les 73 retournés. Il y a la Picardie qui est en train de passer là derrière. Là, je l'ai entendu là vite fait. Hein. Voilà.
Oui, Patrick, les 73-51 de Dandy 33, opérateur Rémi, sur le département de la Gironde, à côté de Saint-Émilion. Le pays des ivrognes. Ah, je suis trois coups. Ah, je suis pas dans cette émission, je suis à côté. Hein. J'échappe un peu là, aux vapeurs d'alcool. Affirmatif. Saint-Émilion, bon tout, on sait tous que c'est connu dans le monde entier, mais c'est connu pour quoi au juste? Hi. Oui, le break, les 73-51 de Dandy 33, Rémi, sur sur Sainte-Colombe, à côté de Saint-Émilion. Cette cacophonie là, ça y est, ça commence à monter de plus en plus la propague. Attention, Nounours ou Dracar pour Dandy 33 qui vous appelle. Oh oui, il y a du monde. Oh que oui, il y a du monde. Et encore là, je suis dans un creux. J'ai une colline à côté. Si je prenais la voiture, que j'allais dessus, alors là, ça sera un foison. Ah, puis j'étais fait trop chaud dehors. À 39 degrés qu'il y a là de mon côté sur la Gironde. Ouh là là. Les 73-51 Cédric de Belgique, Hachi de la part de Dandy 33 du côté de Saint-Émilion, le département de la Gironde, sud-ouest de France. Wow, attends, du coup il y a eu un petit peu de cacophonie. Attends, je crois que c'est Dracar qui est en train de passer. Les 73-51 Dracar de la part de Dandy 33. Salut Dandy, là, je t'écoute. Salut de Dove sur Mimison, là. Salut de Dove, bon après-midi à toi, des gens arrivent. Sur Mimison. De Dove et à bientôt. En avant, j'ai mon choix 73-51 pour toi. Les 73-51 retournés, Dracar. Et mais, qui a dit que les routiers, j'y passais mal en fréquence? Tiens, mais tu m'es arrivé, tu m'as fait des pointes à Santiago 9, hein, de mon côté. Ouais, Santiago 7, Santiago 9. Ça marche, du feu de Dieu. Plus 10. Zéro, la ville de Noyon, là, un peu au-dessus de Compiègne. Je reçois les quelconques, Dandy, avec mes 73 renouvelés dans ta direction, en espérant que tout aille bien, qu'il me trouve dans le sud-ouest. Eh bien, tu m'as fait des pointes à 9 plus 10. Alors, de mon côté, au niveau température, dehors, c'est du 39 degrés. Je voulais prendre la voiture pour aller sur la colline.
là qui est à côté de chez moi pour passer encore beaucoup plus fort. Et quand j'ai vu 39 degrés, je me suis dit, même pas en rêve, je reste au QRA, après tout c'est pas mal. Les bonnes 73 à toi. Ouais, c'est 39 à l'ombre, hein, bien entendu. Alors je précise 39 à l'ombre, parce que j'ai eu un collègue hier au pro qui m'a fait le coup. Non, non, les températures annoncées, c'est au soleil. Bon, je l'ai laissé dire. Mais s'il croit sa connerie, je le laisse dire. Non, non, c'est bien 39 à l'ombre que j'ai là, la seconde même. Alors oui, c'est un four là dehors. J'ai fait tout ce que j'avais à faire aujourd'hui, enfin ce matin. Et une fois fini, j'étais vite me mettre à l'ombre, m'attraper une bière, et puis voilà. Bande d'ivrognes, vous êtes tous qu'une bande d'ivrognes. Les 73-51 à la station qui m'a envoyé les 73, tout ça retourné. Alors, là je vais essayer d'être sérieux 30 secondes. Alors, j'habite en plein milieu des vignes, c'est sûr, à Sainte-Colombe. J'ai même des vignes en plein milieu du village. Mais j'ai horreur du vin. J'y arrive pas. Je trouve que ça a un goût, une odeur acide, amère, acide, qui perso passe pas, quoi. C'est un comble là, de venir habiter là, alors qu'on n'aime pas du tout ça, quoi. Attention, Dundee. Oui, les 73-51 pour Dundee. Ouais, Dracar, c'est un petit peu compliqué de mon côté. Là, c'est la propague, elle est très bizarre. Elle fout le camp très vite. C'est du sporadique là de mon côté. Quelqu'un appelle, je vais de suite l'entendre, je vais lui répondre et puis pouf, c'est parti ailleurs ou c'est retombé. Ça joue un petit peu au yo-yo là. Ouais, j'ai laissé un petit peu le micro pour laisser parler d'autres stations. J'ai des stations locales aussi, là, sur le 19. J'aurais pas trop les embêter non plus. Oui, la station, les 73. Je sais pas si tu as demandé un essai de module. Il m'a semblé comprendre ça. La modulation, si c'est le cas, la modulation est un petit peu étouffée, là, de mon côté. Oui, j'ai un petit peu de mal. Attention, le débarquement 12, la ligne de mon 12, station Gorgiel, station Bracard, on est 6-0 là. Thank you.
Alors les stations fréquences qui veulent attraper Drakkar, il est sur le canal 20. Voilà, pour ceux qui veulent attraper Drakkar, il est sur le canal 20. Et moi je vais me foutre la merde. Ils vont tous se radiner sur le canal 20. La propague a tourné. Attends, vu le bruit de bande et tout qu'il y a là, on voit bien que la propague est là. Hein. Ça, il n'y a pas photo. Maritime mobile. C'est rare. Bien. Tout le monde passe super fort. C'est un truc de fou. La propagation est super ouverte actuellement. Ouais. Donc. C'est bon malgré tout, malgré la température. Pourquoi ? Parce que on a quelqu'un un petit ventilateur qui tourne également. On a aussi le vent, qui a un petit peu de vent, et puis on est sur l'eau, donc on a l'humidité qui est là, donc c'est largement supportable. Et puis en plus, comme je le disais déjà, mon épouse et moi, on adore la chaleur. Alors on est bien, en espérant que, bon, demain c'est le pro de nouveau, aujourd'hui c'est vacances imprévues, mais voilà, on est là, sur le bateau, mais demain ça ne sera pas le cas. Voilà, à toi, tout le micro, Robert. Bon, j'ai envie de breaker, mais bon, je suis pas les embêter. Ils sont trop bien en QSO pour les déranger. Ben c'est pas grave, je vais lancer appel sur la fréquence moniteur des kilomètres en uniforme Sierra Bravo. Ça sera pour une autre fois. De Paris-France,
Oui, 73 de 14, Kilo Mike, 33-01, Sud-Ouest France à votre écoute. Ah, je suis grillé. De Lima Golf, affirmatif. Vu qu'on est sur la fréquence d'appel, on fait un petit QSY sur la fréquence de votre choix. Ok, c'est parti. Rendu. Les 73 de 14 Kilo Mike, 33-01, Rémi, Dandy 33, sur le Sud-Ouest France, département de la Gironde, au QRA sur Sainte-Colombe, à côté de Saint-Émilion. Ah oui, ben la propague est vraiment très ouverte. Hein. C'est vraiment très ouvert là en ce moment même. Et tout à l'heure, là j'étais sur le 19, c'est pareil, j'ai eu des copains là, du nord de France, tout ça, de différents coins. Je navigue un petit peu partout là sur les ondes, je surfe sur les ondes, ça arrive de partout. Et là, juste avant, là, j'écoutais un QSO d'un maritime mobile. Bon, j'ai pas entendu sur QTH, mais bon, c'est vrai que c'est pas évident à faire un maritime mobile. Mais bon, je l'ai vu qu'il était bien QSO avec quelqu'un, bon, j'ai pas osé déranger. Et autrement, là, de mon côté, pour la température, c'est du 39 degrés ici, là, sur le sud-ouest, là, sur le QTH, 39 degrés. Alors, même pas en rêve, je sors dehors. Pourtant, j'ai été tenté tout à l'heure de sortir, là, de prendre le push et d'aller sur la colline. Parce que, bon, là, je sais que ça passerait encore plus fort, mais bon, quand j'ai vu la température, je me suis dit, bon, c'est bon. c'est bon, je suis très bien là où je suis. Retour. Enregistrez le break. Enregistrer le break. Alors, le Lincoln de plus, il est dans le push. Voilà, là au QRA, j'aime bien être sur le CRT 7009, mais vu que j'ai pas mal de QRM dessus, là, ici, sur le QRA, je suis donc sur le Yazoo FT450AT. Voilà. Alors, attends, j'ai une station qui m'est arrivée comme un boulet de canon. Je vais faire un tour de micro sur lui. Les bains de 73, la station là qui m'est arrivée là très fort, là de côté de la frontière allemande. Ouais, 73, Rémi, Danti, Rémi, c'est Martial. Ma foi, les bonnes fois, PAT 457 en QRP avec une Delta Loop, un élément en fabrication au mètre à 3 mètres du sol. Et les conditions de trafic, le RS 918 SDR avec 5 watts. Moi, j'ai ouvert à 4 kg et là avec l'antenne Delta Loop, un élément à 3 mètres du sol, fabrication en aide, 73 Rémi. Merci pour le retour, des bains de 73 renouvelés, en QRP en plus. Ah bah tu m'as fait des pointes à Saint-Agonef, là ici, sur le QTH, sur le QRA. Ça marche fort, et puis la Delta Loop a marché vraiment bien. Hein. Alors je sais pas si tu entends l'autre station qui est avec moi, je vais lui retourner le micro pour voir si il t'entend. PAT 457,
Au 14, India Charlie Foxtrot 208 Martial, tu es elle, Rémi. Ok, Martial, bon, ben, apparemment c'est à sens unique, hein, puisque l'OM, lui, t'entend apparemment. Hein. Mais bon, c'est à sens unique, c'est bien dommage. Mais pour du QRP, c'est chapeau bas. Hein. C'est ouais, vraiment, vraiment chapeau bas, parce que ça passe vraiment de mon côté. Y a pas mal, j'ai entendu d'autres stations appeler aussi. Du coup, je ne sais plus trop à qui passer le micro. Eh bien, à la station avec qui j'étais déjà en QSO. Pourquoi se poser des questions comme ça? Hachi trois coups, dont j'ai oublié le prénom. C'est pas sérieux, ça. La station avec qui j'étais déjà en QSO, retour du micro à toi. Martial ne t'entend pas. Hein. Gilles. Département 89, l'opérateur Roger 50. Je l'entends, mais je l'ai décodé. 89 enregistré. Ouais, ok, d'accord. Ben, il y a le département 89 là qui vient d'arriver aussi sur la fréquence. Alors que je regarde un petit peu 89, que je regarde où c'est pour voir si ça correspond un petit peu. Le 89. Non mais là je fais pas fort. Hein. J'ai le 88 devant les yeux, le 90 devant les yeux, le 89, où c'est qu'il est le 89? Ah ça y est, je l'ai trouvé, à côté, à droite, à l'est du 45. Eh bien c'est pas mal ça. Les 73 de la station, donc c'est tout le secteur par rapport à mon QTH, c'est tout le secteur nord-est là qui passe là de mon côté. Hein. Oui, moi c'est l'opérateur, c'est Roger sur le département de Lyon, le 89, hein. la ville de Sens, voilà, à vous le micro. Ok Roger, merci pour le retour de micro. Vous, on dirait que ça fait pas très longtemps que vous êtes en fréquence, ou alors je me trompe. Donc là, de mon côté, les conditions de trafic, eh bien, c'est un Yazoo FT450AT, ouais, donc qui est plutôt jeune. Au niveau antenne, alors c'est une Sigma Mantova 8 qui est du même âge que le poste. Et je suis qu'en vertical, c'est tout. Donc l'antenne est à 9 mètres de haut, voilà, pas plus. Et je suis dans une cuvette, dans un petit village qui s'appelle Sainte-Colombe, sur le département de la Gironde, à est-sud-est de Saint-Émilion. Donc voilà, là, voilà toutes les infos de mon côté. Et côté température, j'ai un bon 39 degrés là pour aujourd'hui là sur le QTH. Et ils annoncent pire encore là pour les jours à venir. Retour. Oui, 92. Ah oui, ok. Oui, j'ai... Enregistré 92. C'est que 40 ans. Que 40 ans, voilà. Là, la station, là je suis avec un président Lincoln, la première génération. Hein. En plus, j'ai un 150 de l'œuf. Et l'antenne, c'est une antenne, c'est la Boulangue. Une Boulangue qui est sur le balcon. Voilà. Mais autrement, j'ai aussi un Yazoo, un bon vieux FT-707 avec la boîte à conscience avec, et un VSO externe, voilà. J'ai un autre ampli qui va derrière, un Jupiter, hein, voilà, la Jupiter, mais il n'est pas branché, hein, voilà, beaucoup trop de puissance. Ah, la bonne amie. Ah bah ici, le WX, c'est pareil, hein, il fait un dossier bleu, un dossier bleu, il a 31 degrés. Voilà, 31 degrés pour le moment, hein. Et nous allons ici pour la fin de la semaine, pareil, il y a des 40 degrés avant. Bon, on retourne micro. Ok Gilles, 40 ans de module, oups. Moi aussi je suis tout nouveau là-dessus. Ouais, je suis également tout nouveau là, j'ai juste quelques heures de module, pas plus. Pour être plus précis, depuis 1982 sur la CB et sur le 27 mégas en Takiwalki depuis les années 70. Donc autant dire que ça date d'hier quoi.
Enfin, hier, avant-hier peut-être. Je suis trois coups. Il y a eu le département 92 qui a aussi breaké, avec votre permission et la permission aussi du de la frontière allemande, de l'autre station dont j'ai perdu le QTH. Mes excuses à lui, avec qui j'étais en premier en QSO. Donc je voulais, avec la permission de tout le monde, je vais faire rentrer le département 92, s'il est toujours là, en avant le 92, avec les bonnes 73 de 14 km, 33-01, Rémi, QRC local sur la Gironde, Dandy 33. Ok Jeff, ben pour le département 92, ça passe pas mal. On a l'impression que vous êtes en train de rouler. Et tiens, pour info, ouais, je suis en train justement là, d'en faire une, là en ce moment, là, une nouvelle vidéo, pour montrer comment c'est aujourd'hui là sur les ondes, comment ça, ben, que ça continue à bien passer, qu'on est vraiment sur le bon sens au niveau propagation. Et donc ça fera une vidéo de plus que vous pourrez regarder, donc vous pourrez voir comment vous passez en fréquence. Voilà, donc les conditions de trafic là de mon côté, c'est, je sais pas si vous étiez là tout à l'heure quand je vous ai annoncé à Gilles. Voilà, c'est un FT, un Yazoo FT 450 AT. Bon, j'ai le CRT 7009 hein, qui est juste au-dessus, mais j'ai trop de QRM qui rentre dedans là au niveau du QRA. C'est chiant, mais dès que je suis au niveau du QRA, je me retrouve tout de suite avec 3 tonnes de QRM. Et c'est bien chez moi en plus qui sont ces QRM, mais j'arrive pas à m'en débarrasser. Ça arrive par l'antenne, ça c'est sûr. Et c'est là où ça devient compliqué justement, parce que c'est par l'antenne que ça arrive. Alors quand au niveau du push, je me gare juste devant mon entrée, et bien sur le Lincoln 2 Plus là, que j'ai dans le push, ben c'est pareil, hein, ça monte mais à fond dès que je suis devant la porte. Donc en attendant de trouver une solution miracle, bon ben je fais avec, c'est-à-dire en basculant sur le Yazoo pour arriver à moduler quand même. Voilà, ok. Alors le département 92, je sais pas si vous entendez les autres départements. Pardon, je m'étrangle en parlant en plus. Je sais pas si vous entendez les autres départements. Retour du micro, département 92. Et moi, je me... Je me mélange les crayons. Oui, le pastis, c'est enregistré. Ok, merci pour le retour. Et bien toujours sur le par rapport à moi, le nord-est France, il y a le pastis là qui s'est signalé en fréquence. Hachi trois coups, je parlais du département 51. Ouais, non mais c'est vrai que les problèmes de QRM, c'est compliqué ça, hein, surtout quand ça arrive par l'antenne. On sait pas trop comment le prendre. En pleine poire, ça c'est sûr. Ça c'est fait. J'ai bien quelques filtres, mais bon, suivant ce que c'est comme QRM, de toute façon, ça finit par passer quand même, hein. Parce que bon, le filtre miracle, il n'existe pas, hein. Il y a des filtres spécifiques pour chaque type de QRM, ça c'est sûr, ça c'est d'accord. Mais bon, il faudra en mettre une dizaine à la queue leu-leu pour arriver à tout éliminer, quoi. Donc là, au secours. Ah, il ferait moins chaud que là, c'est sûr que j'aurais pas hésité à prendre le push pour aller là sur les hauteurs. Là, j'ai un repère, justement, là, je domine toute la région, là, depuis ce repère, où là, j'ai fait, tiens, pour la petite anecdote, mon tout premier test depuis ce repère, en montant la président Himalaya au cul du push, ou dans la remorque, je sais plus, dans la remorque, quoi, que j'avais fait. Depuis, j'ai amélioré ça en mettant au cul du push sur un porte-vélo. Mais bon, le premier coup, j'avais fait mon test sur cette colline avec l'antenne, la président Himalaya, dans ma remorque, là, derrière le véhicule.
Alors, il y avait de la propague ce jour-là aussi, hein. Le Centrafrique que j'avais attrapé. Oh, je me suis dit, ah, c'est bon, ce point-là, ce QTH-là, il est validé, quoi. Mais là, ouf. Alors, j'espère, remarque, ce mois-ci, vu le planning pro que j'ai, ça va être compliqué pour y aller. Ouais, bon, c'est pas grave, je ferai ça, j'improviserai. Retour. Ok, oui, le break qui vient de lancer appel, les 2073 de 14 km, 3301 Rémi. Voilà, sur le département de la Gironde, à côté de Saint-Émilion. Oui, c'est opérateur Thomas, le 51. Charlie, unité 06. L'opérateur Raymond dans le nord de France. Thomas, Charlie. Le 51. Alors, Thomas, Charlie, vous êtes passés tous les deux en même temps. Thomas est passé comme un boulet de canon là sur le QRA. Les 73-51, vous deux, de la part de 14 km, 33-01, opérateur Rémi, Dandy 33 en QRZ local, sur Sainte-Colombe, à côté est-sud-est de Saint-Émilion. Alors, je suis à quoi? Je suis à 10 km de Saint-Émilion. Voilà pour le QTH. Les conditions de trafic de mon côté, bah oui, si vous les avez entendues, là je suis sur un Yazu FT450AT, et au niveau antenne, c'est une Sigma Mantova 8 qui n'est pas très haute, à 9 mètres de haut. Voilà, c'est tout, j'ai pas pu monter plus haut, ou alors si, mais ça aurait été en redressant davantage les haubans. Je préférais privilégier la sécurité. Là, les haubans sont à 45 degrés. Ça me va totalement, tout à fait, et bien au contraire, quand ça souffle ici, eh bien, je suis relativement tranquille, là, enfin, du moins jusqu'à maintenant. Tiens, retour sur Thomas, qui est passé beaucoup plus fort, enfin, je dis plus fort, parce que j'ai pas entendu l'indicatif de l'autre station, c'est ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je suis en train de raconter comme connerie? Ben si, j'ai entendu. Oh, je sais plus. Bon, bref, peu importe. Hachis trois coups. Retour, Thomas. Ok, madame Dieu. Pas de soucis. Ben, moi, je regardais cette vidéo, là. Je connais ta chaîne YouTube, là. Je regarde ce qu'on reprend, là. Donc, pas de soucis. Je connais. J'ai vu peut-être sur l'antenne, etc. Ah. Donc, très bonne vidéo. Même chaîne YouTube. Il n'y en a pas tant de chaîne. C'est cool qu'il y ait des chaînes sans radio, etc. Ok, ben ça passe bien là. Il y a pas mal de fading, hein, là c'est du sporadique, là quand même pas mal. Mais ça passe bien quand même. Là, la modulation est excellente. Là, j'étais bien enregistré là de mon côté. Ça passe vraiment bien. Il y a une autre station aussi qui est passée en même temps. Je fais un retour de micro à lui avec les 2073 de 14 km 3301. Alors, le Pas-de-Calais, le nord de la France, les 2073-51 à vous deux, voilà, de la part de 14 km 3301, voilà, en QTH sur au QRA, à ce département de la Gironde, à côté de Saint-Émilion. Oui, 100% QSL, oui, notre station, ça passe de mon côté assez fort. Vous passez tous les deux, là, vous avez parlé tous les deux en même temps quasiment. Voilà, vous passez tous les deux avec un bon signal là, de mon côté. Je crois que j'ai vu du neuf là pour tous les deux là de mon côté. Là c'était alors comment distinguer l'un de l'autre, je sais pas trop, mais ça passe quand même relativement fort. Une bonne radio de 4-5 là de mon côté. Là ça marche bien. Hein. Et ta vidéo, elle sort quand? Plus 10. 9 plus 10 là, la dernière, au dernier passage. Oh bah ben là ce sera dans la nuit. Hein. C'est le temps de la travailler.
C'est-à-dire que, à différence des gens qui font des vidéos YouTube, des trucs comme ça, ou des directs, des trucs comme ça, ou c'est du, hein, c'est, pas YouTube, Facebook, je veux dire, où les gens aiment bien faire des vidéos comme ça, là, en direct et tout, là, sur, sur Facebook, des trucs comme ça, mais après, on peut pas les partager ailleurs, de façon qu'on les voie bien, sur les forums, ou blogs, ou, enfin, partout ailleurs. Donc là, ben c'est, ça sera le temps de la travailler. Et comme à chaque fois, je passe du temps dessus, plus le logiciel, lui, derrière, après le temps d'encoder tout ça, ainsi de suite. Donc là, oui, ça sera dans la nuit. Ah oui. Et puis de toute façon, tant que là, je suis en fréquence, la vidéo, je peux pas la travailler. Ça, c'est clair, net et précis. Ça, c'est fait. Donc pour le moment j'en profite, je me fais plaisir avec tous les copains en fréquence, je me régale, c'est que du bonheur. Et pour la petite anecdote, tout à l'heure, comme quoi il y en a qui disent que le 27-455 est déserté, eh bien c'est comme ça, justement, en allant sur le 27-455, en entendant un appel, que de suite on a fait QSY là ici sur le 27-445 et qu'on a commencé le QSO. Comme quoi le 27-455, il est vraiment important à surveiller, à être actif dessus, à lancer un maximum d'appels dessus, puisque de toute façon, c'est nettement moins le bazar que sur le 555. Ça, c'est clair, net et précis. Il n'y a pas photo, hein, il faut vraiment l'occuper au maximum. Sinon, plus bas, du côté des 40 canaux, il y a deux fréquences d'appel DX aussi, hein. Il y a le 27-385 en Lima, Sierra Bravo. Il y a aussi en BLU le 27-005. Alors, pour le premier cité, le 38, en Lima, Sierra Bravo, et le 4 normal aussi, voilà, en BLU. Voilà, je dis en BLU parce que je ne sais plus si c'est USB ou LSB, donc à tenter dans les deux modes. Donc, il y a aussi de ce côté-là des fréquences d'appel, hein, des X, hein, donc, où je vais me promener aussi de temps en temps dessus. Hein. Et pour le 38... Il est pas mal activé par tout ce qui est Amérique, Canada, Québec. Des Français vont aussi dessus là pour lancer appel. Donc il y a pas que le 555 qui est où il y a du monde. Partout ailleurs, il y a aussi du monde. Alors pour revenir à ce que je te disais, ouais, mais quand je pourrais me mettre au travail dessus. Et le temps que tout se fasse, oui, ben je sais, là je radote pour le coup, pas dans la nuit. Donc ben, tu l'auras demain, de toute façon, la vidéo, et puis voilà, Hachi, retour. Ouais, je te fais la bonne 73, écoute, c'est un plaisir, pour la fois que je te contacte, c'est cool. Donc à la prochaine, et puis dans la vidéo, on verra bien. Ah oui, oui, tu vas t'entendre dans la vidéo, ça, il n'y a pas photo, hein. Tu auras même le son avec. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Il y a eu un break derrière, les modes 73, merci de ton passage. Je vais laisser rentrer le break avec les modes 73 de 14 km, 33-01, Rémi. 14, enregistrez le break. Ok, la frontière allemande, les bonnes 73-51, oui, c'est très compliqué là en fréquence, là sur le, là ici, là sur le canal. C'est effectivement très compliqué là de faire un QSO. Là, je te comprends tout à fait. Donc les bonnes 73 à toi, profite bien là, de la propague de ton côté. Je te fais confiance, vu comment tu passes, en plus en mode QRP. Donc là, chapeau bas parce que c'est du téléphone là de mon côté. Donc je te renouvelle les bonnes 73, merci de ton passage là sur la fréquence, sur le canal, et bon QSO et à la prochaine, merci beaucoup.
Ok, bon, alors, retour du micro sur le Pas-de-Calais. Vous passiez assez fort là de mon côté. Les bosses sont 13 à vous, 14 km 33-01. Ok, ici 14, Roméo Tango 6-2, opérateur René. La ville de Lens s'appelle. La ville de Lens, ok, les bosses 73 à vous. Et bien, en espérant que vous n'ayez pas trop chaud là de votre côté, moi de mon côté, c'est du 39 degrés. Hein. J'ose même plus regarder parce que, oh là, j'aperçois un 4. Ah ben oui, ouais, je crois que c'est passé à 40 là. Ouais. Là, mais voilà, c'est du 40 degrés là de mon côté, là sur le sud-ouest, sur le département de la Gironde. Pour le Pas-de-Calais, eh bien tiens, j'y monte début septembre justement dans le Pas-de-Calais. J'ai le fiston là qui habite maintenant là-haut, sur Calais directement. Voilà, donc tous les ans, début septembre, et maintenant, ce sera notre destination. Voilà, c'est... Alors, c'est un comble, ça, l'été, d'aller chercher la fraîcheur. Et quoique, je me souviens l'année dernière, quand on est monté là-haut, où c'était pas si frais que ça. Par contre, j'ai pas réussi à voir l'Angleterre qui est juste en face. Mais bon, c'est pas grave. Cette année, peut-être qu'on aura plus de chance, que j'arriverai à voir le... Ah si, on a vu un petit peu. Oui, on a vu un petit peu l'Angleterre en suivant le bateau, justement, là, en le voyant accoster, là, en le devinant dans la brume, dans le lointain, en le voyant accoster là-bas au fond. Là. Ah ok, les amis. Ouais, le camion, on voit l'Angleterre. Condition bon, qui est bien dégagé, disons, ben, le ciel, hein. Le ciel et puis ben, là, sur l'Angleterre aussi. Hein. Ouais, quelques fois ça m'arrive d'aller là-bas, pour accent pour voir l'Angleterre. Hein. Et quand sans les humains, c'est le bras, on a les bras. Enregistrer le break. On les voit. Voilà. Ça fonctionne très bien ce soir là, bien loin, c'est 59 ce soir. 59, je viens ici dans le 62 là. À toi, merci pour René. Ok René, enregistre le break. Ok René, ben justement un petit peu plus bas, avec son YL, là au fiston, on avait été visiter un point haut, un point de vue là, qui avec des falaises et tout ce qui s'ensuit. J'avais allumé le poste là un petit peu vite fait comme ça, là, pour voir un petit peu ce que ça donne. Waouh là, dommage que c'est un piège à touristes là, ce coin là, parce qu'il y aurait une bonne expédition à faire, ou alors faut la faire hors saison, là peut-être, oui, enfin vraiment hors saison, parce que même début septembre, bon c'était envahi de monde et tout, donc pour faire une expédition correcte, c'est pas forcément toujours évident. J'avais quand même bien repéré le coin, là, en allant carrément en haut, là, en surplomb des falaises. D'ailleurs, il y a un monument, là, qui est dessus, hein. Et c'est vrai que là, c'est, ça passe carton, là, de ce côté-là, quoi. Il y a des fois, je me dis, pourquoi c'est aussi loin? Puisque, je dis ça, parce que, assez souvent, le Québec passe sur le nord de France. Et moins sur le sud-ouest. Et du coup, c'est un QTH qui m'appelle, quoi. Qui m'appelle pour avoir les copains, cousins, justement, du Québec. Ouais, une autre fois, ça sera bien. Et qui sait, peut-être que là, si j'ai la chance avec moi au niveau temps libre, on pourra retourner sur ce point haut et je pourrai à nouveau tenter le coup. On sait jamais. Retour. Ah, ok, ouais, je vois où. Je veux dire, même une fois, par exemple, il faut mettre la voiture en retrait là, sur un parking, ouais, sinon, et puis on y va en pied, là, on y va en pied pour voir le monde. On y va en pied, on rentre juste sur la mer aussi, là, les falaises. Nous, avant, on allait tester sur Saint-Omer, il y avait un point haut aussi, là. Bon, c'est pas de... Voilà, à toi, merci pour René.
Ok René, toujours enregistré hein, le break de tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Alors ça navigue un petit peu, hein. Là c'est un petit peu du sporadique. Ça navigue entre Santiago 7, Santiago 8. Tout à l'heure, oui je crois que c'est monté à Santiago 9. La radio elle est de 4 voire 5. Ouais, radio 4, radio 5, ça marche bien. Oui, ça marche bien. D'ailleurs, si vous connaissez mes vidéos sur YouTube, vous pourrez, là, avec votre permission, vous pourrez là, vous écouter là en même temps, là, dans celle-ci, là, pour voir ce que ça donne. C'est bien souvent, c'est plus parlant comme ça, on va dire. C'est parce que faire un report, c'est bien joli, mais le report, il est fait par rapport à mon appréciation à moi. Mais est-ce que mon appréciation correspond à ce que vous voulez vraiment de votre côté au niveau radio? Là, via la vidéo, qui en même temps qui est une vidéo de démonstration hein, pour ceux qui découvrent la radio, parce que bon, le but de mon côté, c'est ça. Là, vous pourrez en même temps voir comment ça passait, que ça passait bien, hein, comment ça passe bien de mon côté. Hein. Ah, ok, ouais, ouais. Tout à l'heure, en fait, je suis revenu avec la directive. Au début du plateau, j'étais en directive et puis le record radio que tu m'as donné, là, c'était avec l'enfant. C'est pour toi, tous les coups. Là, j'ai dû remonter un petit peu là. Tu me rappelles, sur quoi tu peux aller, là, sur YouTube, j'irai voir dans la semaine, voir les mois suivants. Je pense que c'est pas pour maintenant, là. Voilà, à toi, Rémi, pour René. Ok, alors... La chaîne YouTube, j'y vais tellement souvent dessus que je connais même pas le nom de la chaîne YouTube. Alors ça, c'est un gag. Rémi Dandy, voilà. Rémi Romeo Echo Mike Yankee, Dandy, Delta Uniforme November, Delta Echo Echo. Donc Rémi Dandy, tout simplement. J'ai pas pu mettre Dandy 33, puisque bon, les chiffres sur YouTube au niveau du compte utilisateur, ça n'a pas voulu passer quand j'ai créé la chaîne. Bon, ça fait déjà pas mal d'années que je l'ai. Donc là, c'est Rémi Dandy, voilà, tout simplement. Voilà, donc, et puis de toute façon, après, moi, c'est partage partout. Je partage partout, que ce soit sur le forum, sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai ramé un petit peu là en parlant parce que je suis en train de faire autre chose en même temps et comme je suis pas multitâche. Oui, voilà, donc là, j'ai déjà 1222 vidéos. Donc oui, ça fait déjà quelques temps que la chaîne est ouverte. Voilà. Donc voilà, oui, voilà, Rémi Dandy, voilà, sur le forum La Planète Sibu Francophone, voilà, allez, un petit peu de pub au passage, ou si vous êtes sur Facebook, eh bien, La Planète CB Francophone, pareil, là, vous pourrez voir aussi dessus, non, là, je vois pas, ouais, bon, bah, sur la chaîne YouTube, ce sera déjà pas mal. Voilà, mais bon, je me mettrai au travail dessus. Bah, de toute façon, là, dès que j'aurai fini là, de papoter avec les copains là, sur les ondes, et je me mettrai au travail dessus. Mais là, à chaque fois, ça me prend plusieurs heures hein, de travail. Hein. Je vois déjà s'il n'y a pas des endroits à couper, ceci, cela. La précédente vidéo, justement, avec qui j'étais en QSO, l'OM me dit, sur les ondes, ça, faut pas le répéter. Ok, paf, là, j'ai fait une coupure. Donc, comme ça, au moins, c'est sûr de ne pas être répété. Hachi. Et puis voilà, donc, ouais, à chaque fois, je passe, je sais pas comment font certains, et moi, pour tenir le micro, je sais pas comme ça, comment je fais aussi, mais je suis un grand bavard. C'est la passion de la radio, ça. Mais bon, pour revenir aux vidéos, c'est vrai que je passe un temps fou, c'est énorme dessus. C'est énorme. Bon, bref, c'est pas grave, du moment que ça fasse venir du monde, parce que le but à la base, c'est quand même ça, faire revenir un maximum de monde. Voilà, retour de micro. Donc je me rappellerai Rémi Dandy, point d'interrogation après là. Voilà, par la suite là. Oh, et si dit francophone, ben, je crois que je suis là aussi. Si on en dit normalement c'est pas ben il faut être certifié de des administrateurs, je crois là, en fait. Ben, exactement là. J'ai une petite mémoire, mais je sais que j'ai joué là-dessus là. Si dit francophone là.
Voilà, donc tu me rappelles sur YouTube, là, Rémi Dendy, après, point d'interrogation. Voilà, à toi. Oui, affirmatif, Rémi Dendy. Ouais, c'est ça, Rémi Dendy ou Dendy Rémi. Oh, ben ça y est, tu m'as foutu le doute. Je relance le navigateur. Que je te le donne dans le bon ordre. T'as cette mémoire de poisson rouge. Rémi Dendy, voilà, c'est bien ça. Rémi Dendy. Là, il n'y a pas de problème pour ça. Sinon, sur le forum, la planète Sibi francophone, c'est moi l'administrateur, administrateur fondateur. Le groupe Facebook, la planète CB francophone, c'est moi aussi l'administrateur, administrateur fondateur du groupe. Je suis sur pas mal de groupes avec, hein, je suis partout sur les autres groupes. Je suis aussi en second administrateur sur le groupe Kilomike. D'autres groupes aussi où je suis en second administrateur ou modérateur également dessus. Plus simple utilisateur sur beaucoup d'autres groupes, des groupes québécois aussi également, les fous de la radio, le groupe des Tanans, j'ai oublié les noms. Toute une ribambelle de groupe aussi. J'essaie de partager au maximum après, justement, là, pour redynamiser ça, quoi. Ah, ok. Oh, ouais, comme je te vois, c'est tout partout, là. Tu fais beaucoup, même, tout partout, là. Ah, ouais. Ah, ouais, il faut en revenir, là, pour les 27-4-55, là, ouais, c'est dommage, hein. C'est dommage car c'est au début que j'ai commencé la radio aux années 80. On allait beaucoup là-dessus, à 27-455. Car moi, puis l'anglais, la langue de Shakespeare, ça fait deux. Hein. Ça fait deux sur le 27-55. Bien que, enfin, on est obligé, non, on n'oblige à rien du tout. Hein. Mais la plupart des clients, donc, ils se lancent là-bas. Mais quand on parle sans l'anglais, pour moi, c'est pas bon, là, c'est pas bon. Sur le 27-455, ça va, bon, au début de tout, là, c'était comme ça, c'était en langue française 455, et puis le petit peu 5, c'était les stations étrangères. Donc, enregistrez le break. Tout le monde, il tape là-bas, hein, il tape là-bas sur le petit peu 5, là. C'est même dommage. Et puis qu'on laisse aussi en arrière un petit peu la FM, là, car on fait des très très bons pieds aussi. Voilà, Rémi, à toi, là, pour René. Ok René, eh bien tu vois justement le 455, eh bien si pas mal de monde le pense déserté, ben tu pourras voir justement dans la vidéo que pas du tout, pas tant que ça quoi. C'est tout le monde pense qu'il est déserté, mais parce que les gens manquent de patience, tout simplement. Donc ils le croient, ils le con. Ok, je verrai ça tout à l'heure. Les gens pensent qu'il est déserté, mais c'est parce qu'ils manquent de patience, tout simplement, ou ils ne lancent pas d'appel dessus. Tout à l'heure, la première personne que j'ai eu en QSO, j'espère qu'il est toujours derrière, et mes excuses s'il n'a pas pu reprendre le micro depuis, mais je l'ai eu justement via le 455. Voilà, tout simplement. Et oui, effectivement, c'est la foire d'empoigne et tout ce qui s'ensuit sur le 555. Alors, pour la FM, alors là, ça me fait assez sourire. Bon, j'ai rien contre la FM. Hein. C'est mes oreilles qui ont quelque chose contre. Par le côté trop criard du bruit de fond. Et utiliser le squatch, je suis pas tellement chaud parce que j'ai toujours envie d'entendre ce qu'il y a derrière. Chacun son point de vue après à ce niveau-là. Alors oui, pour la petite anecdote, quand j'ai commencé la CB en 82, donc j'étais sur un 22 canal FM. Et à l'époque, les gens boudaient la FM. Il y avait du monde hein, sur les 22 canal FM, ça c'est sûr. Mais la majorité boudait la FM pour rester en AM. Et justement, j'entendais des moustaches de l'AM sur le 19 et tout, ceci, cela, ça, voilà. Et après, bon, quand la première homologation des 40 canaux AM-FM est arrivée, et donc tout le monde, ou presque,
Enfin bon, bref, une grosse majorité de gens ont migré de la FM à la M. Puis les années ont passé. Voilà, les années 80, ceci, cela ont passé. Les années 90 sont passées. La FM, toujours un peu utilisée, mais bon, moyennement. Utilisé quand même, mais moyennement. Et là, depuis ces dernières années, il y a un nouvel engouement envers la FM. Alors, ça fait méchamment la contradiction, méchamment au sens figuré du terme, la contradiction avec cette époque où la FM était boudée. Aujourd'hui, on prêche pour la FM, et alors qu'à l'époque, au contraire, on l'a boudée. René, il y a eu un break ici signalé plusieurs fois derrière, mais excuse à lui pour l'attente. Avec ta permission, je voudrais le faire rentrer. Les bonnes 73 à la station de la part de 14 km 3301 en avant le break. La propagande a décidé autrement. Bon ben zut, la propagande a décidé autrement. Je sais pas si j'ai perdu tout le monde là pour le coup. J'ai un QRM là, de 3-4 là de mon côté. Et là pour le coup j'entends plus personne. 4. Ok René, bon ben c'est pas grave, on va continuer tous les deux alors, puisque j'entends plus la station, ou alors la propague est tombée de son côté pour être calée sur toi. Ouais. Et là oui, tu m'es arrivé comme un boulet de canon. Ah ok, 9. Ouais, tout à l'heure j'étais avec le 570, 9 et là plus 10. J'ai changé là. C'est le 450, pour combien de chiens là, c'est le Kenwood là. Qui a réussi tout, non pas tout Kenwood là. Pas tout Kenwood là, il y a le 450, il y a le 570 et puis à côté là, c'est la vieille mémère, la galaxie Saturn là. Voilà Rémi là. Donc je regarde là, c'est 6-10 pour le francophone, c'est bien ça? 9 plus 10. Voilà le signal de mon côté. Dans Google, la planète Sibi francophone. Voilà tout simplement la planète Sibi francophone dans Google. Voilà, et tu tomberas sur le forum. Ah ok. La planète Sibi francophone là. Je vais regarder un soir après là. Je vais regarder ça là. Hein, puis, peut-être je verrai ta tête là. Avec les moustaches, à toi. Ah moi j'ai pas de moustache en tout cas. Non, moi j'ai pas de moustache. L'avatar que j'ai dessus, ben, c'est le même que j'utilise partout, hein, c'est-à-dire c'est mon YL qui m'a pris en photo sur ma reine. Donc j'ai un petit gilet beige sans manches et je suis assis sur un caillou. Voilà, c'est le même avatar que j'utilise de toute façon de tous les côtés. Hein. C'est je triche pas, c'est bien moi qui est un avatar. En même temps, je suis en train de regarder là en bas du forum. Putain, à la seconde même, il y a 141 personnes là sur le forum. Bon, ça va, tout à l'heure, ça avait quand même pas mal baissé, mais je me suis dit, c'est normal. Il fait beau, ceci, cela, c'est les vacances, qu'il y ait moins de monde, c'est normal. Mais là, 141 personnes, là, je suis quand même étonné, quoi. Mais les gens, ils n'ont pas autre chose à foutre que de rester sur Internet. Ah, j'ai trois coups, retour René. Ok, ouais, j'y suis là, celui-là. Je suis dit, pour le propag, je t'enregistre sur le départ. Ah, j'y suis là. J'y suis, je regarderai après, disons que je vais approfondir là. Mais je crois que j'y suis en ami là. Si ça me dit quelque chose, en tout cas, le début là, de tout là. Ouais. Et je crois même. J'avais un ami, c'était un Ross, un dictionnaire que je n'ai pas entendu, là, c'était un Canadien. Là. Point d'interrogation, je regarde ça sur les amis sur Facebook, là, qu'est-ce que ça va me dire que crocodile d'Indy, je crois. Bien que non, ben non, crocodile d'Indy, ça serait plutôt l'Australie. Mais c'est que c'était un Canadien là, qui était en ami avec moi là. Voilà à toi. Ok, donc toi tu parles de Facebook. Ok, d'accord, ce qui est différent. Sur Facebook, là tu parles du groupe Facebook, la planète CB francophone. C'est pour ça que dans la prononciation, je fais la différence. Tu as le forum.
la planète Sibi francophone, qui est sur fond gris, gris clair. Et sur Facebook, c'est le groupe Facebook La Planète CB francophone. Voilà, c'est, y a une différence, une petite nuance entre les deux. Mais bon, de toute façon, le groupe Facebook est une branche du forum. Hein. Et le lien du forum doit être avec dedans. Oui. Le lien du forum doit être dedans, oui. C'est, normalement, oui. Ou alors, c'est sur mon compte, je sais plus. Je sais plus ce que j'ai fait comme réglage. Retour. Ok, ah bah ouais, je crois que j'y suis là. Il faudra que je tape enfin, mon indicatif et puis je pense que j'y suis là-dedans. Attends, 30 secondes, j'appuie sur connect. Peut-être ça va apparaître là. Voilà, à toi. Alors sur Facebook, voilà, je l'ai sous les yeux, c'est Dandy Radio CB. Voilà, tout simplement, Dandy Radio CB pour sur Facebook. Voilà comment je suis identifié dessus. Ah ouais, non, mais c'est sur ton groupe, hein, Planète CB francophone, là. Je dois être enregistré ben, deux fois, là. Je suis enregistré, je crois, sur 14 BCAR 6-2, opérateur René, et, ou alors 14 Roméo Tango 6-2, là. Il faudrait que je regarde les codes secrets, là, pour m'enregistrer, enfin, pour me mettre là-dessus, là. Ah, je regarderai ça après. Je regarderai ça après, puis peut-être je t'enverrai un mot sur l'administrateur, là. Voilà, et sur Facebook, c'est quoi enfin, je vais noter, là. J'ai toujours un petit peu de sortie ici, là. Attends, voilà, il y en a des libres. Vas-y, appelle sur Facebook, qu'est-ce que ça me dit. Ok, alors sur Facebook, c'est Dandy, espace, Radio CB, le tout attaché. Dandy, espace, Radio CB, en un seul mot. Ah ok, alors Dandy, Radio CB. Oui, voilà. Tu tapes Dandy, tu mets un espace, Radio CB, tout attaché. Ok, je vais regarder ça. Dandy, Radio CB, Radio CB, tout attaché, là. Voilà, non, je regarderai ça après, là. Oui, bon, j'ai quand même le temps, là. Parce qu'après, vers 4h, là, oui, vers 16h, je vais citer les émissions, car j'ai un rendez-vous pour être kiné, là. Et je vais me faire maxer, là. Voilà, à toi. Je te chance, c'est une Thaïlandaise qui va te masser. Non, malheureusement, non. Mais disons que c'est dommage, hein, parce que au départ, il y a son YS qu'elle fait kiné en même temps. Alors, mais il n'y a pas, oui, il dit non, non, moi, je me demande même si c'est peut-être un grand loup, je ne sais pas, mais. Il a dit non, c'est moi. Ah ben, j'ai pensé dans la tête et je n'ai pas dit. Enfin, disons. Ah ben, dis mince. J'aurais préféré la dame, tant qu'en faire. Enfin, jamais qu'il me fait des gestes trop débordés, là, je vais dire non, on l'arrête là. dans la blagounette, justement, j'ai un collègue qui me dit qu'il était marié avec une Thaïlandaise. Ah, tu sais que moi, dans la tête, c'est du sud gamberger, moi. Enfin, je me suis abstenu de... Je l'ai regardé avec un sourire, mais je me suis abstenu de poser quoi que ce soit comme question. Mais on ne sait jamais. Ça peut vite déraper, des sujets comme ça, quoi. Il faut faire toujours gaffe, hein. Faut faire toujours gaffe parce qu'on ne sait jamais. Hein. Il y a toujours un truc qui déborde. Hein. Ah non, quand même pas faire dans ces professions-là, je pense pas, enfin, je pense pas. Parce qu'on n'est jamais à l'abri. On n'est jamais à l'abri. Hein. Maintenant, tout qu'est-ce qu'on entend, puis tout qu'est-ce qu'on voit aussi. Et surtout que je ne connais pas le kiné, là. J'ai changé là, parce que le mien, disons que c'était un ancien, mais le matériel, il commençait à être vieux aussi. Alors comme il approchait de sa retraite, là, j'ai changé. Là. J'ai changé, pas enfin, de bourre. Hein. À toi. Ouais, justement, j'étais en train de me dire, un OM qui masse, voilà, il reste loin, lui. Il reste où il est, il reste loin de moi, il ne touche pas, lui. Je suis trois coups. Là, pour ceux qui écoutent, là, on déconne, hein. On est la déconnade totale. Je suis. Ah
Ah, ok, ok, Rémi. Eh, il ne faut pas oublier non plus que tu vas me rapprocher au mois de septembre, là. À toi. Oh putain, là pour le coup, il va y avoir des dossiers qui vont ressortir en septembre, si on s'attrape en fréquence. Oh là 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 là. Je t'ai tard, j'avais envie de te dire comme ça, bon, ton masseur, là, il t'a massé quoi au juste? En espérant que du coup, tu sois tombé sur une masseuse. Non, non, ils n'ont pas voulu, à la fin, sur Noël, ils n'ont pas voulu. Du fait que lui, il fait, pas le même cabinet, hein. Un cabinet entre guillemets, hein. Pas le même sage plutôt, de maxage, de maxage comme on dit. Là. Voilà, ouais, le cabinet ça fait mal, hein. Ben, disons ça fait mal entre guillemets. Là. J'aime pas dire le cabinet là, comme un cabinet dentaire ou bien n'importe quoi. Là. Ça, disons qu'on a toujours mal, l'esprit mal tourné. Là. Voilà, enfin bref, trêve de plaisanterie là, parce que sinon, enfin, moi on ne connaît pas, mais toi comme administrateur, ça va faire mal à ta relation là. Voilà toi. Pas du tout. C'est juste la décontraction des neurones. Voilà, tout à fait. Tu sais, moi, je suis du genre à faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux et dans le respect des autres. Voilà exactement, on va dire, ma devise. Les gens trop sérieux qui font de... Chacun fait la radio comme il veut, hein. Ça, je respecte tout à fait les différentes opinions de chacun à ce niveau-là. Chacun fait la radio comme il l'entend. Mais je suis plus dans l'esprit décontracté. C'est la vie est suffisamment courte comme ça pour trop se prendre au sérieux. Alors, et puis on n'est pas payé pour être trop sérieux. Donc autant faire ça en déconnant. C'est voilà, tout simplement quoi. Le trop sérieux, je le garde pour le boulot. Voilà. C'est, je dis ça parce que bon, moi je suis toujours actif, hein, professionnellement. Donc le trop sérieux, je garde ça uniquement pour le pro, rien d'autre que pour le pro. Et le reste, eh bien, pouf, alors là, c'est ça vient, c'est pris bien souvent la déconnade. Comme tout à l'heure, je me suis un peu éclaté en même temps là sur le canal 19. C'était génial, c'était super. C'est voilà quoi. Quand ça devient trop sérieux, je trouve ça trop chiant. C'est il en faut à un moment donné du sérieux, oui c'est sûr. Mais bon, je décroche vite. Ouais, c'est plus ça. Je décroche vite quand c'est trop sérieux. Au fait, t'as vu là, la propague elle tient bien là entre nous deux, entre les deux régions. Putain, là, je suis étonné, quoi. Non, mais autrement, ouais, voilà mon point de vue, quoi. C'est plutôt ça, quoi. C'est, je suis plutôt dans cet état d'esprit là, plus de en déconnant, ça. Là, c'est comme tiens, par exemple, là, le 30 juillet, oui c'est le 30 je crois, que je vérifie sérieusement. Oui c'est ça, le 30 juillet on tiendra un stand parce qu'il y a une association qui va avec moi, c'est-à-dire FCBA 33, donc ensemble, donc la planète Sibi francophone, FCBA 33, on tient un stand justement sur Marraine. Alors c'est un salon radio amateur et nous en tant que cibistes, association Cibi et tout ça, on sera dessus. Et tous les EM, et donc d'ailleurs côté forum, il y a pas mal d'OM qui vont venir. Côté Facebook, là je sais pas, j'ai aucune idée. Et ça sera dans la déconnade. Hein. C'est pour ma part, je vais exposer du matériel, mais j'ai rien à vendre. Le matériel que je vais exposer, c'est pour en parler autour, voilà, tout simplement, créer des sujets de discussion, les anecdotes, les déconnades, les ceci, les cela, les machins, chasse aux renards, patins, couffins, ainsi de suite. Et tout ça dans la déconnade, autour d'une bière, par exemple, ou autre chose. Et puis voilà quoi, c'est toi, moi je suis plus dans l'esprit à la bonne franquette. Voilà, c'est ce 10 km de blabla, tout ça pour dire que je suis plus dans cet état d'esprit à la bonne franquette qu'autre chose quoi. Retour. Ah ok, pour tout ça, Rémi. Ouais.
Non, mais c'est bien, je mets que. Enfin, disons, on pleure pas. On pleure pas, mais disons, maintenant, le rire, c'est tout juste pour le payer maintenant. Mais il faut pas oublier non plus que le rire, quand tu rigoles un bon coup, là, ça détend les neurones et puis le visage. Hein. Et, bon, on sait plus combien qu'un nerf qui se détend en même temps. Non, non, moi, c'est bon, moi, en plus. Disons, j'ai l'esprit jeune, vu mon âge aussi. Si t'as pas l'esprit jeune, t'es cuit, disons. T'es cuit, là. Et comme moi, j'aime bien rigoler. Aussi, hein, là-dedans, là. Ah ouais, avec les péripéties que j'ai eues, là. Mais bien sûr qu'il faut garder l'esprit jeune, bien entendu qu'il faut garder l'esprit jeune, bien au contraire, c'est le meilleur des médicaments, déjà, pour commencer, si tu restes voilà, positif en gardant l'esprit jeune, c'est le reste suit, quand, évidemment quand on arrive à un certain âge, on fait ce qu'on peut, voilà, on fait ce qu'on peut. Mais enfin moi j'ai aucune expérience dans le domaine, on va dire, c'est en voyant les anciens autour de moi, et tous ceux que je vois garder l'esprit jeune, eh bien ils s'en portent que mieux, malgré les petits soucis de vieux, on va dire les choses telles qu'elles sont, hein. Mais ils s'en portent que mieux, bien au contraire. Hein. C'est alors que là j'en vois sur les réseaux sociaux, mais c'est à croire qu'ils sont payés pour être pour dire les choses directement, qu'ils sont payés à être cons. C'est à se demander. Je comprends pas trop quoi. C'est comme la politesse. Dire bonjour, ben ça mange pas de pain. Voilà, tout simplement. Et on n'est pas beaucoup sur les réseaux sociaux à dire bonjour. Quand je réponds à quelqu'un, enfin bonjour ou salut, c'est vrai qu'en général je marque salut et je le mets quasi pratiquement dans tous les messages quoi. Voilà, ça mange pas de pain. Je vais peut-être le dire 10 fois, 20 fois, 100 fois par jour, je m'en fous totalement. Ça sort naturellement. Alors qu'à côté de ça, les gens, t'as l'impression que. J'ai une anecdote à ce niveau-là. Une fois au boulot. Sur un autre site où j'étais en journée, ça, bon là, je faisais de l'accueil en plus du reste, parce que je suis agent de sécurité. Donc je faisais de l'accueil en plus du reste. Et là, quelqu'un arrive, sourcils froncés déjà d'entrée, costard cravate, puis il me parle direct. Il me parle direct, il me dit directement qu'il veut. Là, qui a rendez-vous avec telle personne, ceci, cela, tout. Et une fois qu'il a fini, je lui dis bonjour. Et là, il m'a regardé, mais il a pratiquement pris mon bonjour pour une insulte. Ah non, de Dieu. Il m'a regardé, là, surpris, ça, en fronçant les sourcils, pas content. Je dis, moi, quand j'arrive quelque part, je commence par dire bonjour. Autant dire que c'est mal passé, quoi. Alors que c'est une question de bon sens, quoi. C'est être poli, c'est un minimum. Mais non, tu vois, comme quoi, je vois là ce mec, par exemple, il avait pratiquement pris mon bonjour pour une insulte. Et j'ai eu d'autres cas comme ça, quoi. Et sur les réseaux sociaux, en général, quand tu dis bonjour à quelqu'un, bah, t'as rarement de réponse en retour. J'englobe YouTube avec, hein, parce que YouTube est aussi un réseau social, hein. Je l'englobe avec, hein. Facebook en a pas l'exclusivité, hein, mais c'est sur tous les réseaux sociaux pareil, hein. La politesse est un truc qui écorche, qui insupporte les gens, quoi. C'est pour dire les choses poliment. C'est assez étonnant dans un pays comme le nôtre où beaucoup de gens se plaignent de tout et n'importe quoi. Mais déjà, si les gens commençaient à se regarder dans une glace et à essayer de s'améliorer déjà à leur niveau, ben ils verraient que la vie peut être plus belle, quoi. Voilà, tout simplement. C'est sûr qu'il y a de la misère en France, dans le monde, ceci, cela. Mais c'est pas en étant le plus con possible qu'on va améliorer les choses. C'est même au contraire bien l'inverse. Retour, hachis trois coups. Désolé à chaque fois d'être trop long à tenir le micro. C'est tout, hein. C'est le tout, là. Enregistrez le break.
remonte 35 ans en arrière, là. Ça me rajeunit, ça. Quand j'ai commencé comme par mon boulot que j'ai gardé pendant 35 ans, là, dans la même entreprise. Alors, mais au début de tout, là, le premier jour que je suis rentré là-bas, ils cherchaient un chauffeur livreur, disons, national, régional plutôt. Et puis alors, disons, sur là, il n'y avait pas de contrat, tout ça, enfin, au départ. Et donc, je m'ai présenté avec mes papiers, tout ça, et puis c'était le patron qui était là, il m'a parlé, minute à quart d'heure pour m'examiner, disons, comment je répondais les questions, tout ça. Ah, puis dit, tu sais, nous c'est des clients, des clients entre guillemets de Super-S, magasin, tout ça, là. Alors, pour rentrer, quand vous rentrez, vous dites bonjour et au revoir. Hein. Ah bon, dit monsieur, les Essaillis, il y en a beaucoup, hein. Dit monsieur Essaillis, je vous voyais en tant que politesse. Moi j'étais à la bonne école, avec mes parents, là. On a toujours appris à dire bonjour et au revoir, hein. Donc j'étais à la bonne école. Dis donc, c'est ça, déjà un bon point pour toi, là. L'école des anciens, là, c'est bien bon, là. Voilà, et c'est pas la suite que j'ai quand même embauché, là. Mais j'ai gardé même 35 ans, là-bas. 35 ans, donc, après, disons, bon, j'ai été ouvrier, ouvrier, chauffeur, polyvalent, mais j'étais considéré, pas comme de la famille, là. On n'est jamais considéré comme de la famille, mais disons que j'étais bien connu, là, bien connu, voilà. Voilà, Rémi, pour tout cela, là. Bon, il est moins 10, là. Je vais demander la permission de QRT là aussi, parce que ça va rapprocher. Il faut que je dise que ce soit que j'ai là-bas. Voir mon pied là. À toi, Rémi, pour le final avec René là. Et puis je regarderai un petit peu tout partout là sur les chaînes que tu m'as données là. À toi, Rémi, pour René. Ok, ouais, enregistré le break, ça tombe bien parce que toi il y a eu un break là qui est arrivé comme un boulet de canon lui aussi quoi. Comment ils disent ces Québécois? Un troupeau de bœufs. Oui, je crois que c'est ça. Je crois que c'est comme ça qu'ils disent. Il y a eu un break qui est arrivé comme un troupeau de bœufs. Oui, je crois que c'est comme ça, je sais plus. Ouais, ok, les bonnes 73, 51 à toi. Merci pour ce bon QSO qu'on a fait. Et la propagande qui a toujours de ton côté, c'est hallucinant. Ça n'a pas faibli d'un poil. C'est hallucinant. Donc les bon courage là pour tout à l'heure, en espérant que ce soit une YL qui vient te masser là pour le coup. Hachi. Donc les 73 renouvelés de 14 km 3301, Rémi, Dandy 33 sur le département de la Gironde, à côté de Saint-Émilion. Et à la prochaine sur les ondes ou via les réseaux sociaux. Merci à toi, bye. Ah ok Rémi, allez, comment on vit de nos soins, allez, de la voyure, merci, bye bye. Exactement, à la revoyure. Bye bye, en avant le break. Il y a une station qui m'est arrivée comme un boulet de canon. Je sais pas, non, c'était pas la même modulation que la station que je viens d'entendre, la TréQRP. Bon, je sais pas où il est passé. Je relâchais le micro, là, en avant le break. Et je bafouille. Ouais, il y a une station qui m'arrive avec un signal de 3. J'ai également un QRM de 3. Donc là, c'est très compliqué de mon côté. Là, j'y mets vraiment pas de la mauvaise volonté, mais QRM de 3, signal de 3, ou peut-être moins pour vous. C'est je vous devine derrière, mais c'est tout sans plus. Je vois que c'est une modulation d'OM, une modulation un petit poil, un petit peu aiguë. Donc ça, j'arrive à l'entendre, mais voilà, pas plus, quoi. Donc autrement dit, radio 1 de mon côté à cause du QRM de 3 que j'ai. Bon, ben ça passe plus de mon côté. Les 73 aux éventuels écouteurs.
La propague est retombée, j'ai l'impression. Les 73, les éventuels écouteurs, j'ai déjà dit. Bye bye, à la prochaine sur les ondes. Je ne savais pas qui m'avait lancé le break, vu que c'était en surmodulation, donc je n'avais pas reconnu sur le coup. Ok, eh bien, en plus là, il est quelle heure? Oh, bah, j'ai XYL là, qui doit être en train d'arriver. Donc, je vais me diriger vers elle, lui faire un gros câlin. Je dis ça parce que je ne l'ai pas encore vu aujourd'hui. Et donc, je vais passer également QRT, les bonnes 73 à vous, merci pour le QSO et tout ça. C'est vrai que là c'était compliqué à gérer hein, comme QSO, ça a tourné sur tout le monde, c'est pas évident de repasser le micro, puis comme je prends aucune note sur papier, hein, à chaque fois j'oublie, j'ai pas une mémoire des plus fulgurantes. Je devrais noter à chaque fois sur un papier qui arrive dans le QSO, tout ceci, cela. Je manque de discipline de ce côté-là, ça c'est clair, net et précis. Donc je passe également en QRT, donc les 73 retournés, donc oui, là c'est du côté frontière allemande. Mais je pensais, vous aviez QRT tout à l'heure déjà, c'est moi qui n'ai rien compris, ce qui ne m'étonnerait pas aussi. Plouf, là c'est retombé. Bon ben d'accord, là pour le coup c'est sûr que la propague est retombée. Bon ben c'est pas grave, les 73, les stations qui sont derrière, de la part de 14 kilobytes, 3301, Rémi, et à la prochaine sur les ondes. Oui, c'est Michel qui vient discuter avec toi il y a pas longtemps. Là, ah oui, voilà. C'était en 3 minutes que j'ai lancé un appel dans votre direction. Et j'ai indiqué qu'après je connaissais René, celui que vous avez fait le QSO auparavant. Là. Donc on s'est déjà contacté à plusieurs reprises. Son QTH n'est pas très loin du monde. Donc c'est pour ça que je vais interpeller René. Et donc ça passait correctement. 95 et sur réception. Retour, puis je vais vous laisser faire une visite à madame pour sa rentrée au cuir. Donc là, je suis retour à vous, Rémi. Vous m'avez fait une pointe de 9+10. Oui, à ce point-là. Alors oui, je confirme, l'XYL vient de passer la porte. Alors les stations, ciao tout le monde. Désolé que vous abandonnez, mais priorité à l'XYL. Hachi trois coups, merci pour le passage. Les 73 tout le monde, je passe en QRT, ce coup-ci c'est pour de bon. Bye bye, merci, bye, et bon QSO, profitez bien tous de la propague. Merci, bye.